Hey hey hey, ça vous fait YouTube, je suis Suzukube. Et je suis très content putain de vous retrouver pour un petit aspect sur Paper Ground Brawlers. Actuellement le jeu est à 1€, c'est pour ça que je l'ai pris. Envie de tester quelque chose de différent. En tout cas, j'aime beaucoup le chara-design sur le papier, hein. Je veux dire. Sur l'écran titre et tout, c'est plutôt cool. Et non, en termes de jeu, j'ai eu l'occasion de faire une partie. Et c'était tellement, mais tellement brouillon. Merde, je fais B. En fait, le principe, c'est que vous pouvez changer la gravité avec X, tirer des bombes avec B. Avec X, vous pouvez lancer des ciseaux. Et vous avez des missions. Donc la première c'était de récupérer une plume, la faire revenir de notre côté. Donc lancer de ciseaux. Ah oui, vous avez une épée aussi. En fait, il n'y a que des trucs de qui donnent des coups de. Ah, est-ce qu'on peut sauter? Ah oui, on peut sauter. Mais c'est genre un coup ça tue quoi. Mais je sais pas, le jeu est vraiment déjà j'ai du mal avec les directions. Parce que grossièrement, lorsque le personnage doit monter, tu dois imprégner le mouvement de monter. C'est assez bizarre. Et en fait techniquement ça va, mais le jeu c'est pas qu'à propos de technique. D'accord, en plus j'avais pas compris, t'as qu'une paire de ciseaux. Tu utilises, c'est mort. Le truc c'est que autant à 1€. Ça passe, enfin. C'est pas si horrible que ça. Autant 10€. Je suis pas sûr qu'il coûte 10€ de base. J'explique un peu ce que je fais. En fait, j'arrête pas d'inverser la gravité, ce qui fait que c'est plus ou moins à l'endroit où l'ordi n'est pas. C'était marrant, mais c'était juste le glitch qui était marrant. Un nouveau personnage. D'ailleurs, les personnages, j'ai pas l'impression qu'ils apportent. Un ballon de gravité se compose de 12 pentagones. Chaque ballon. Ballon de gravité. Here we go. La
gravité, si tu touches avec ton couteau-ciseau, le balai est régi par ta gravité. Mais je l'ai tué. En vrai, il est cool ce mode de jeu. En vrai, il aurait pu largement me tirer à ses au-dessus, mais il l'a pas fait. Parce que l'ordi est sympa. Non! Pas toujours en fait. Alors, tu peux tricher en étant avant sur le ballon. Oh merde. Ouais, il est mort. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de modes de jeu, que ça, j'avais pas vu. Comme quoi, faut pas s'arrêter au premier, à la première impression sur un jeu. Mais what? C'est pas moi qui l'ai tué là. Au passage. Wouah, ce coup de ninja que j'ai sauté là. J'ai esquivé, mais je vous avoue, j'ai pas fait exprès. What? Ah, c'est mon ciseau. Waouh, les ciseaux qui s'entrechoquent. C'est vrai qu'il y a un ciseau. Pas des ciseaux. Wow! What? Là, vous
que celui-là, j'ai cherché loin. Ah, oh, j'ai la haine. On peut pas re-récupérer ce saut par contre. Ouais, déconner, il aurait pu me donner un coup, j'aurais gagné quoi. Le livre du vent. Honnêtement, en ce moment, ce jeu il a 1€. À ce prix-là, je le recommande. Des baguettes. Ah oui, c'est le fameux mode que je vous disais où il faut récupérer la plume en fait. Il faut réussir à se barrer avec et aller dans ton côté, tout en protégeant de ton côté la plume. J'ai tué là. Si, c'est nous tuer. Ah ! Quoi ? Ah d'accord, s'il y a deux plumes en même temps, ça marche pas. Allez, tranquille. J'étais malin, je l'aurais tué avant. Mais tue-le, bordel! Je vais aller, je vais le sauver. Wow, 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 wow! Trop de skill. Oh putain. Je vais prendre la plume, je sais, pourra pas. Elle est comme deux couillots. Si j'avais le tué, c'est bon. Bah une fois qu'on est habitué au contrôle assez bizarre, faut l'avouer. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Après, là, j'y joue tout seul, mais... C'est un jeu résolument multijoueur quoi. On va quitter la campagne. Donc chacun pour soi avec les différents modes de jeu. Donc le versus classique, on doit atteindre le seuil de kill, le dernier survivant, c'est le dernier qui reste en vie. Vive le roi, marquez des points en restant en vie en tant que roi. D'accord, ce que j'ai fait tout à l'heure aussi. Rotation aléatoire des matchs, sinon après on a par équipe. Capturer la plume, ce qu'on a fait, ballon de gravité avec la balle, un classique versus, et suivant ils vivent le roi aussi. En option, ouais, on a des trucs assez basiques, en audio, pas grand chose non plus, les contrôles. Vous ne pouvez pas changer, vous pouvez juste voir la manette à quoi ça ressemble. Maintenant, appuyez sur une seconde. Pour mettre pause, c'est pour éviter de mettre pause sans faire exprès. Activer vibration, oui, et langue celle de la console. Tout ça, c'est très bien. Bon, bah voilà, c'est Paper Bound Brawlers, un petit jeu en promo actuellement sur Nintendo Switch. Donc, à 1€, je vous le conseille. Si vous voulez un petit jeu comme ça sur votre Switch pour jouer en multijoueur, moi je dis oui. En tout cas, je kiffe pas mal, curieusement. Alors qu'au début, j'ai joué hier une partie, j'ai pas trop kiffé. Et là, je suis en train de me dire, ouais, y a un petit potentiel, mais faut s'y mettre, quoi. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à ciao les otaku et à bientôt sur Otaku.fr. Ciao, bye bye!